Hey, salut les enfants de la toile et bienvenue sur Reach pour cette rediff de live sur le jeu Predator Hunting Ground. Je suis Warkfey. Alors avant toute chose, c'est la première fois donc, que je fais une rediff de live. C'est un petit live que j'avais fait quand la preview du jeu était sortie. Et du coup j'avais fait quelques parties avec quelques personnes intéressantes, dont Crook Gaming. Si jamais vous savez pas trop quoi faire, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur sa chaîne. Il fait un contenu de qualité qui est très sympathique. Du coup, avant la sortie du jeu définitive, qui va être donc le 24, qui arrive, donc ce vendredi, j'ai décidé de vous mettre en ligne quelques passages de notre live. Ça a à peu près, ça a à peu près duré 4 heures, un peu plus de 4... Ouais, un bon morceau de plus que 4 heures. Mais du coup, là, vous allez avoir 4 vidéos qui vont à peu près durer entre une demi-heure et 20 minutes. Voilà. Un peu plus d'une demi-heure pour une ou deux et un peu plus de 20 minutes pour les deux dernières. Sur ce, allez, je vous laisse, bon visionnage. Posez une balise de ciblage sur le camion. Prenez vos distances et attendez la frappe du drone. Ah putain! Ah merde! Il m'a eu! Il est camouflé! Il a une belle armure, cet enfoiré! D'avoir rassemblé toutes ces armes. Merci, copain. On va vous ramener au bercail. Oh, jolie explosion. Votre aide, commando. Rendez-vous au point indiqué sur votre carte. C'est bon, commando. On vous rejoint. Ces enfoirés essaient de s'échapper! Arrêtez-les! À ta droite, Krug. Dans l'arbre. C'était chaud? Non, c'était...
C'était maîtrisé. C'était maîtrisé. Non, t'y crois. Sérieux. Tu personnalises tes armes comment? Alors, tu vas dans personnalisation. GG, Warfare, t'es trop fort. Ouais, non, désolé, c'est juste que je coupais ton live en même temps, vu que je live de mon côté. C'était pour éviter d'avoir Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Tu m'entends, moi? Isé, t'entends Warfield ou pas? Ah ouais, j'entends. Je le vois s'allumer. Faiblement, mais je l'entends. Ah oui, non, mais oui. Ah, voilà. Je suis si faible que ça. Par contre, une carte, tu vois, ce qui est chiant, c'est que... Sur Evolve, on pouvait dire « Moi, je veux jouer Predator. » Et là... là, je peux pas, en fait. À chaque fois, je rejoins avec des... On se retrouve ici. Et à mon avis, à 4, on pourra pas inviter un cinquième joueur. Bah, quand je fais jeu, moi, ça me propose si j'ai... Enfin, ça me demande si j'ai une préférence. Oui, parce que tu es solo, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Quand t'es solo, tu peux choisir ta préférence. Quand t'es en groupe, tu ne peux pas. Parce que quand t'es en groupe, tu joues comme... Ah, tu joues avec ton groupe, en fait. Oui. S'il y a un commando, bah t'es commando direct, quoi. C'est ça. Si tu joues solo, tu peux éventuellement demander à être prédateur. J'imagine qu'en partie personnalisée, tu peux dire tiens, je veux être Predator, je veux être. Ouais, en partie perso, ouais, mais toujours pareil. En partie perso, moi ça me saoule, j'ai l'impression de perdre mon temps. On XP pas, on gagne pas de loot, c'est chiant. Ah, t'avais des jeux où le mode personnalisé, tu pouvais XP. Ouais, mais c'est. Je comprends qu'on ne puisse pas en fait. Parce que là, on se met à 5, je veux XP au Predator. 5 heures, je vous ai tué 18 fois chacun. Tu vois ce que j'ai? Par contre, là, sur le coup, c'est quoi? C'est le Predator qui host à chaque fois? Ah, peut-être. Ah, je sais pas ça. Tu vois, papa 1944, je crois que c'est le Predator et j'ai l'impression que c'est lui qui host la partie. C'est lui qui host, ouais, après, c'est lui qui est le Predator, oui, qui host, c'est pas grave. Bah, faut juste que tu fasses prêt, là. Ah oui, peut-être. J'ai oublié. C'est pas grave. Moi, j'attendais que le quatrième il tourne, hein. Je me dis peut-être que ça va tourner tout seul. Ouais, pareil, je viens tout juste de cliquer sur prêt, parce que j'attendais le quatrième. On a un autre côté, ça accélère pas plus que ça, en fait. Là, les constructions font un peu penser à du Space NG quand même, hein. Les bâtiments là. La petite photo. Ah, pas faux. Pas faux. Mais Space NG, rien du pour, hein. Parce que c'est... non, en fait, ça me ferait plus penser à No Man's Sky. Ah ouais, ouais, ouais. Juste pour les échelles, les escaliers. On va voir passer Sidgeron avec sa foreuse, tu sais. Avec son vaisseau papillon. Mmh. Non, libellule. Ah, je sais plus. Ah, faut pas croire, hein. Faire un vaisseau sur Space Engineer, c'est chiant. Ouais. Ouais, bah on va aller voir tu ça. Dis, tu dis, ouais, ça tient la route, mais en fin de compte, tu te dis, soit t'as pas mis assez de batterie. Parce qu'il a pas assez d'autonomie. Soit t'as pas mis assez de réacteurs parce que quand t'es plein, tu t'écrases comme un con. Ouais, ou t'as pas mis les bons. Sur la route jusqu'à ce que t'essaies de décoller, quoi. Après, t'arrives, tu pars d'une planète, tu fais ouais, non, mais c'est bien, j'ai mis les atmosphériques, mais maintenant faut les stratosphériques. Ouais, pas forcément besoin d'avoir le temps de sortir de la planète, hein. Tu décolles et là tu te rends compte que t'as oublié de mettre les gyroscopes ou pas assez de propulseurs sur un côté. Et tu vois ton qui part sur un côté. Mais on se ressent. Mais vous cliquez à droite sur le point d'infiltration. Je fiche. Le truc, c'est pour choisir votre point d'infiltration, c'est sur la droite. Trouvez ce qui se passe. Ouais, t'as 3v1 du coup. Bah, la première partie, on a terminé en 1v1, donc ça sera toujours déjà mieux, quoi. Donc, de la boue, hein, vous avez la possibilité. Il faut rester groupé de votre. Et vous isolez jamais.
Donc de la boue, c'est quoi? C'est pour... ton thermique. Tu te mets de la boue et en fait, il te détecte plus sur... Il a une vision thermique qui peut activer, donc je pense que ça réduit un peu. Bah, par contre, j'ai l'impression que mon casque est en train de décéder. Tantôt, j'entends qu'une oreille. C'est-à-dire que sans la boue, tu vois le, tu sais, tu vois les gars, hein, tu vois bien le squelette humanoïde rouge. Et quand les gars ils sont pleins de boue, tu vois une forme bleue. C'est beaucoup plus discret. Ouvrez l'œil. Après. Tu peux confondre une IA et un joueur, tu vois, parce qu'ils sont rouges tous les deux. Mais par contre, tu peux pas confondre une IA et un joueur qui a de la boue. Tu sais tout de suite qui est le joueur. Par contre, j'ai l'impression que le jeu n'a pas pris mes préférences de touches. Ah, les touches clavier, j'ai pas réussi à les changer non plus, je suis obligé de jouer à la manette. Parce que là, je suis sûr que j'ai joué en AZERTY. Non, je sais plus. QWERTY. Tu fais Alt Shift et je joue en QWERTY, et ça passe. Comme d'habitude. Quand écoutez bien, on l'entend le problème. Faites gaffe. Là non. Ouais, il a le pas lourd. Hein. Ah, très très lourd. Et, oui. Vérifiez ses coordonnées. Ah tiens, il y a du vent. Il y a de la boue. Ah, il est pas crête aussi. Non, mais je me suis mis en boue. Ah. Ah ça il tire, je sais pas sur quoi il tire mais il tire. Un hélico. Je sais pas. Arrête. J'ai dit non. Non, arrête. Bien sûr, il y a un gars là. Faites pas de bruit, c'est bon. On a un couteau? On n'a pas de couteau. Ouais, t'as un couteau. C'est quoi la touche du couteau? Tu restes appuyé sur A, ou Q, ça dépend comment tu t'as dit pour tuer. Tu as une roue des armes. Et c'est rentable le couteau contre l'IA? Ouais, contre l'IA, oui. Contre le Predator, t'oublies. Ok, un mort. Comme ça, t'as pas fait de bruit et ça va pas attirer le Predator. Ok, ils sont en arme, le Predator. Tu es Predator de repérer les joueurs, c'est... Oh, il est dans les parages. Ouais, ouais. Sur qui il tire ce con? Il est pas loin de moi, mais j'arrive pas à le voir. Ouais. Je l'ai touché. Tagué. Oh. Je l'ai tombé. Ouais, c'est juste au-dessus de ma tête. Je crois qu'il est tombé. Il est tombé. Là. Je l'ai dans les pattes. Faut le finir, faut le... Voyez-vous. Ouais, on arrive. Yes. Tirez, lâchez tout ce que vous avez, vite! Il va activer son. Non, c'est bon, il a pas eu le temps. Vous avez été confronté à une anomalie confidentielle que nous devons prendre en charge. Attention, il y a des IA qui arrivent. Sur place et protéger le corps coûte que... Putain, je l'ai défoncé sur un arbre, il est tombé comme une merde. Et bah, GG. Détruisez la preuve! Oh, j'adore ce jeu! Attention derrière, Kroll. Le but du Predator, c'est de nous tuer. Son seul but, c'est de nous tuer. Il a pas de mission. Accrochez-vous, Vaudou. Il est juste là pour tuer les clés de commando. Il a pas de mission annexe, il a rien. Vous savez que je reviendrai. Par contre, j'ai pas science. 3 salves. Putain. Parce que, alors, le... Attention, hop, voilà. Le plus important, surtout le Predator, avant même de shooter, le plus important c'est de taguer avec eux. D'accord. C'est super important parce que sinon bah, les autres ils galèrent, où il est, machin, pas ce que j'ai. Et tout seul c'est vraiment compliqué d'en tomber un, donc faut le taguer et après commencer à l'allumer.
qualité du travail que vous avez accompli. Cette victoire, magnifique. Ouais, j'avoue qu'elle était un peu expéditive. Ouais, il a vraiment pas eu trop de chance là, on va dire. Il a fait beaucoup de bruit, puis après il est resté comme un con sur son... sur le sol. Non, non, sur l'arbre. En fait, il est resté sur l'arbre. Là, je l'ai headshot, je l'ai vidé tout ce que je pouvais. Il est tombé comme une merde, mais une fois qu'il est blessé, le prédateur, il rampe en fait. Il peut pas... C'est compliqué de se barrer une fois qu'il est tombé. C'est pour ça qu'il est resté au sol. Ah, et puis la picouse là pour se soigner, elle prend un de ses temps. C'est ça. Donc là, je l'ai rushé, je l'ai fini au pied. Mais tu l'as one shot comment? Ah, je l'ai pas one shot, je l'ai vidé, je sais pas combien de charges, faudra regarder le... En fait, dès que tu commences à lui tirer dessus, il saigne et du coup son camouflage est un peu. Ouais, parce qu'on était à deux en train de lui tirer dessus quand il était sur l'arbre, quoi. Mais si t'es au fusil à pompe, à distance, tu dois pas faire. Non, à distance j'étais. Après, je suis arrivé au corps à corps et là j'ai sorti. D'accord. Fusil à pompe, c'est bon. Je l'ai pas au corps à corps à corps. Ouais, après, je sais pas. Je sais pas si c'est bien. Fusil à pompe, pistolet, mitraillette et spécial. Spécial, c'est la minigun quand même. Bah, c'est sympa, vraiment bizarre. Oh, bah, je suis prédateur. Bah, c'est cool. Ouais, tiens, je suis voyant. Bon, attends, j'ai coupé le live. C'est ça, ouais. Ça. Ouais, je vais juste fermer ma fenêtre. Oh, par contre, ouais, elle la ferme pas trop, sinon c'est. Mais non, j'aurais réduit la fenêtre. J'aurais dû. Par contre, vous avez papa 1944. Bah déjà, je regarde pas ton live, donc ça va. Mais ça se dit pas, ça. Que je regarde pas ton live. Ouais. Bah quand je suis en train de jouer avec toi, c'est con de regarder en même temps ce que tu fais. Donc, non, c'est toujours bien de voir les conneries qu'il fait. Vous êtes avec papa 1944. Ah, ça, merci, MK. On va essayer. Mais je te jure, je vais être tellement stressé. À la limite, faudrait que je coupe le vocal. Parce qu'en plus, ouais, non, mais c'est chaud, parce que je veux pas. Ouais, je vais vous laisser, je reviens. D'accord. Bah, sinon, je peux pas parler avec les viewers. Ah, t'as ouais, bah, tu te mets en mute sur Discord. Ouais, ouais. Mais c'est pas méchant, c'est juste. C'est ça, non. Enfin, il va nous troller pendant un quart d'heure, là, pendant qu'il va nous tourner autour. Il va remettre le micro juste pour dire attention, je suis derrière toi. Tu te retournes, hop, il s'avère qu'il était bien derrière toi. Ouais. Il va arriver, tu sens un truc chaud derrière toi. C'est pas moi. Quelque chose vous observe. Toi, tu l'as pas. T'as pas mis ton lien, toi, avec ton stream. Capitaine de Stargazer, enfin, ton stream. Non, j'ai pas mis mon lien. Faudra que je le mette. Étant donné la nature de ah, celui-là, t'as pas linké ton compte. J'ai essayé. Mais ton compte Discord. Ça me dit que ça m'envoie un mail de confirmation et ça me. Pour l'instant, j'ai rien reçu donc. Ah, d'accord, ça te l'a pas mis dans les indésirables. Non, j'ai rien. Comme ça, un truc. D'accord. Tiens, on spawn. Voilà, pyramide. Donc là, on va se retrouver contre Krug tout seul. Ouais, je crois. Bon, bah va pas falloir s'éloigner trop. Alors, le prochain truc que tu trouves, c'est les... la boue. Ouais, le premier truc que je trouve, c'est la boue. C'est vrai que Krug, il en a parlé comme si c'était... comment dire... Comme si on nous le disait comme ça dès le début, mais on n'y pense pas forcément. Tu vois de la boue, tu lui dis là. De la boue, je reste à côté de la boue, on sait jamais. Alors, l'objectif. On sécurise la zone pour extraction. C'est de la boue, ah bah pourtant. Voilà. De la boue. Ah bah, c'est peut-être pas celle-là qu'on doit prendre. Alors. Ah si. Près du temple de la rivière. Ici, là, juste là où je regarde. Ça y est, on va commencer le combat. On est boué. Ça a une durée ou... J'en ai aucune idée. Faut remettre une couche de temps en temps. Je pense pas, non. De toute façon, on n'aura pas le temps d'en remettre une couche. Hein. On va se retrouver avec soit les IA sur le dos, soit Krug, alors. Oh, c'est une vie. Un cochon. On a trouvé Ike. Le cochon. Okay. Ah là là. On fait chasse et pêche, là. Si on avait trouvé un serpent, je l'aurais appelé Schneck.
Ah, ah bah ça c'est cool. Ouais, il fout la merde. Il doit avoir un jeton d'authentification doté d'un mot de passe renouvelé automatiquement. Neutralisez-le et récupérez le jeton. Oh, il y avait un mec en dessous. On envoie des renforts. On a été repéré. Ah merde. Non ! Merde. Oh putain, il y a Kroon pas loin. Hostile repéré. Prends ça ! Grenade ! Ah, au-dessus. Il est en haut. Mais il est hyper loin. Il joue comme un vicieux. Il nous arrive dessus, je crois. Ah, il arrive. Ah, il a encore essayé d'utiliser la lance. Putain, arrête de... Il est sur un arbre. Là, à gauche. Enfin, à ma gauche, pardon. On ouvre les yeux. C'était quoi ce putain de truc? Faites-moi confiance. Restez groupés et continuez à avancer. Ah bah, il s'éclate. On a une mission à accomplir. Ah. Bon bah c'est bien, on a récupéré l'objectif. Je peux dire merci Krug, il les a fait sortir. Dans un campement situé à ses coordonnées. Le coffre devrait pas être difficile à trouver. Par là. Droit devant. Oh putain, à gauche. Non, merde, il est à droite. Désolé. Par ici. Ouais, il nous noie là. Il nous noie la tête là, il tourne en rond là. Il essaye de nous faire user nos munitions. Ah putain, y'a un mec devant moi, je suis con. Je vais sonner l'alarme. Non mais... Oh putain, j'ai cru qu'il vise en plus. Non, c'était un snipe. Non, le viseur rouge, c'est... C'est le viseur du prédateur. Il y avait aussi un snipe qui avait le viseur rouge. Ah bon? Ouais. Bon, tu me diras dans tous les cas. Derrière. Ah, voilà. Il est au-dessus. Oh putain, merde, il m'a eu. Oh, c'est sûr, la lance, ça va vite. Hein. Je veux dire qu'au corps à corps, faut le laisser tomber. Quoi. Ouais. Ah, il va t'arracher la tête. Enfin, limite faut pas se prendre la tête hein, tu vas au corps encore et c'est fini quoi. Avec le Predator parce qu'il t'enchaîne tellement vite quoi. Moi limite je me planque derrière les IA. Ah, par contre tu fais quoi sur le coup? Bah, parce qu'on est tous les deux à terre quoi. Ouais bah ouais. Dispersez-vous. Commandant, ça va? Allez, j'ai plus de signal, répondez. Il joue avec ta tête. Le matchmaking, salut. Matchmaking et puis du cul 2v4. Quoi. Enfin, 2v1, pardon. Au lieu de c'est... Normalement, c'est 4v1. Ah, je trouve quand même que le Predator niveau corps à corps est un peu abusé, quoi. J'avoue. Ouais, je sais pas. Mais j'en chie, j'ai vraiment du mal. Heureusement qu'on l'entend marcher et qu'on l'entend quand il active ou désactive son occulteur. Bien sûr. Par contre, tu t'es bien amusé à sauter partout. Je t'ai vu. Ouais, mais j'ai raté. J'arrive pas à faire le bon. Enfin, j'adore jouer Predator, mais c'est super dur. Puis, on t'attend au tournant, tu sais. T'es censé être plus fort. Non, ça me met la pression. Wesh. Oh, j'ai gagné le lance-filet. Chouette. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai pas eu le temps de l'utiliser. Et j'ai pas de place pour équiper une seconde. Voilà, là j'ouvre une caisse, 3 doubles. Alors, deux fois le même dans le même casson, dans le même carton, et c'est 3 doubles. Alors, je lâche pour rien, fusil à pompe et une casquette, un truc qui sert à rien. Tu fais 5-6 parties, quoi. Mais c'est que des skins en fait qu'on débloque là. Ouais, dans les balises, ouais.
Quand tu XP, tu débloques des capacités, des armes, des machins. Mais dans les cases, c'est que de la cosmétique. Et quand tu relâches contrôle, tu sautes sur ce marqueur. Les marines se mettent de la boue. Baudouin, ici Zeus. Rendez-vous à l'emplacement Alpha et attendez. Et il faut que tu fasses gaffe, t'as une barre d'énergie à droite. Ton camouflage et ta vision thermique consomment de l'énergie. Et si t'as coup d'énergie, tu claques ton laser d'épaule, t'es dans la merde. Il y a tout qui te coupe. Ah oui, il y a le laser aussi. c'est vraiment, mais c'est comme dans Satisfactory. T'as trop pompé, il y a tout qui se coupe. T'es dans la merde. Les marines, la discrétion un petit peu. Ah non, sur le coup, t'as que le laser d'épaule et l'arme de corps à corps, quoi. Et les griffes. Mais la lance, ça se débloque après. Ouais, on est en train de perdre Krug, là. Il est en train de partir tout seul dans la cambrousse. Bon, je suis juste à côté de Kodan. Je suis à 2 mètres de lui. Ah à oui, droite. Non, pardon, c'était Kodan qui partait un peu à droite. Encore une fois, il faut rester groupé, mais pas. Là, tu vois, là, je suis à côté de Kodan, l'autre il arrive, il met un coup de lance. Bon, c'est Isé, je sais qu'il a pas de lance, mais. Oh, il était beau ton lancer de lance, au fait, Krug. Quand et en fait, c'est... Non, c'est vraiment cool, c'est un truc que j'adore, mais la trajectoire est dure à. Est dure à appréhender, en fait. Il va falloir que je m'entraîne plus. Attention, il y a le laser visé, je vais voir. Il est dans l'arbre, là. On envoie des renforts. Putain, il m'a explosé pas loin. Putain, oh, c'était quoi ce truc là? Quoi? Il est sur ma gueule? Il est sur la butte là. J'arrive pas à le voir. Je l'entends, mais je le vois pas. Il est là sur la butte, mais. Il peut bouger depuis le temps. Mais... Il y a encore. Touché. Merci André Alex pour ton abonnement, bienvenue sur la chaîne. Ah oui, ça le tour a fait. Étape 2, initialiser le scan système et attendre la compilation d'analyse. Il est là. C'est ce qui déclenchera les alertes réseau. Alors attendez-vous à devoir riposter. J'ai du sang ici. Les ennemis arrivent. Quittez pas l'objectif des yeux. Plus on avance vers le. La validation de notre mission, plus le prédateur il a la pression. Attention, on est beaucoup groupés là. Étape 4, une fois la faille exposée, l'équipe pourra déclencher la situation à distance. Bien reçu, on attaque. Parfait. Renouin, trouvez un point de vue dégagé. Merde, personne n'a des munitions sur lui. Non. Mais il y a une caisse dans le village là, mais je sais plus où c'est. Ouais, bah je vais changer d'arme. Il y avait une caisse, j'en ai pas eu besoin. Ah, j'ai sur moi, caisse de munitions sur moi. Je me fais me repariser vite, venez sur moi vite. F Isé, F pour me m'arracher la tête. Il faut arrêter d'hémorragie. Merde. C'est lequel le truc déjà? Je suis mort. Bon, bah, il a l'air bien abîmé déjà. Il est plus camouflé.
Enfin, le camouflage tient plus. Ah, il a cramé. Coco, faut te soigner. Oh, vite, Coco, faut le détruire. Reste appuyé sur F, Isé. Reste appuyé sur F. À portée d'explosion, merde. Vous ne pouvez plus le tuer maintenant, faut courir. Il va mourir. Vous ne pouvez plus le tuer, faut courir. Merde. Oh putain. Vous avez survécu. Wouhou. Ouais, je sais pas, moi personnellement j'utilise pas la vision nocturne. Enfin la vision dans thermique, je m'en fous. Depuis le début j'ai essayé de vous avoir entre les IA et les... C'est la meilleure arme du Predator limite. Hein. À savoir qui était l'IA, qui était le joueur, je tirais dans le top. Je prenais pas la tête. Bon, moi j'ai eu Krog. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter. Et puis, si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime, et vous aurez du gâteau.